Paris votre émission de sport et du Paris Sportif. Bonjour et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de Paris Sportif. Salut Benoît, comment va Bah écoute, salut tout le monde, ça va bien. Et puis un petit coucou à Adams hein, qui... Euh ah, qui est, qui en reçoit, salle d'accouchement, <laughs> qui reçoit un colis, <laughs> comme il nous a envoyé le message, il reçoit un colis. Euh, C'est pas la première fois, donc euh, voilà, il a l'habitude, mais euh, bon, voilà, il, on, lui on lui souhaitera félicitations là, la semaine prochaine. Alors, au programme de l'émission de cette semaine, eh bien, on va parler de cyclisme, de Tour de France. Avec euh, la grosse nouvelle, Froome ne sera <laughs> pas sur le Tour de France. Ça y est, on le sait, la journée d'hier a été un peu bizarre, ponctuée d'alerte l'équipe. On, on reparlera de tout ça. Comment on s'adapte à ce genre de, de situation, surtout dans le cyclisme et le Tour de France où, euh, Je vous expliquerai moi ce qui s'est passé. Ouais, vas-y, ouais. ça marche. Va. Alors, on fera un débriefing et une analyse avec Ben. Et puis, on, on fera un petit tour sur la Coupe du Monde féminine aussi. Parce qu'il se passe pas mal de choses. Il y a des beaux scores fleuves. Il y a des 13-0 qui traînent par-ci par-là. Il y a aussi des matchs serrés. Hier, la France, enfin euh, mardi, mercredi soir, mercredi soir, mercredi soir, mercredi euh, soir, la France a un petit peu bataillé contre la Norvège, mais euh, au final, le résultat était du côté français. On vous parlera aussi dans cette émission, et eh bien, de l'intersaison parce que je pense que c'est là qu'il y a des choses qui se préparent pour la, la future saison, ça. forcément. Et euh, en termes de paris, on va partir sur sur un, un exemple euh, donc euh, la saison dernière. Je crois qu'il faut ouais. le dire maintenant la saison dernière, pour mmh. ce qui est de la de la. Tu vu la descente de Caen La Côte me plaisait bien les... C'est en fait c'est ça, c'est la code me plaisait ouais. bien. Et là j'ai commencé à regarder et ils se j'ai l'impression <laughs> que les books se sont un petit peu adap adaptés parce qu'ils ont été assez frileux là sur les premières choses qui sont sorties. Ah, on a euh, déjà des premiers trucs. Euh, pro, ouais, il y, pas, il y a pas grand monde, mais ceux qui sont sortis, ils, sont, ils ont été très très euh, frileux. Euh, euh, voilà, j'ai pas encore vraiment étudié et approfondi les, les choses, mais de ce que j'ai vu vite fait comme ça. Je pas vu vraiment de value qui, qui, qui me sautait aux yeux euh, parce qu'en gros ils ont mis euh, une dizaine d'équipes avec des codes pas très hautes pour descendre donc tu vois euh, voilà ils, ont, ils évitent enfin euh, comme j'ai toujours dit les boommakers apprennent aussi d'année en année de, de leurs euh, enfin de, de leurs erreurs entre guillemets si on peut appeler ça des erreurs mais bon voilà à nous de nous adapter aussi en face. Très bien. Alors on va commencer par le, le cyclisme et le Tour de France avec la grosse nouvelle. Mercredi <laughs> alors qu'il reconnaissait le contre-la-montre du jour sur le critérium du Dauphiné, Froome chute et assez lourdement. Alors la journée mmh. était ponctuée, comme je le disais tout à l'heure en, en sommaire, de, de petites alertes l'équipe. Donc il y avait une première chute de Froome. C'est... Mmh. Euh, bon, pour qui nous envoie une notification, a priori ça avait l'air d'être du costaud. C'est ça. Et un peu plus tard... On apprend que Froome ne euh, serait, euh, serait pas présent sur le Tour de ça. France. Alors, euh, bon, bilan pour Froome, c'est quand, quand même assez lourd. Fracture de la hanche droite, ça on l'avait appris euh, ce jeudi matin. Le bassin, hein c'est ça euh, Range droit ouais. de bassin, ouais. ouais, c'est dans cette zone-là. Voilà, fracture du fémur, du fémur droit, fracture du coude droit, au point que euh, certains se posent des questions pour la suite de, de la carrière de Froome, quoi. 34 ans. Voilà. Alors, je sais que quelque part, ça, ça fait très très mal, et ça, euh, tu mets un peu de temps à, à revenir si tu reviens. Ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, c est, c est, le destin, c'est fou. Quoi. C'est assez ouais. dingue. Euh... Alors côté Paris, comment on s'adapte sur une journée comme celle-ci Est-ce que toi, t as... T es... comment ça s'est passé de ton côté Tu as été à l'affût d'infos Tu as réagi euh... Euh... aussi sec dès que tu as eu l'info Tu as rebattu les cartes bon, C'est simple, hein. je n'ai <laughs> rien à cacher. J'ai n'ai pas vu tout de suite l'actualité passer. Et donc j'ai reçu euh, une alerte par par quelqu'un qui me dit froum est tombé machin et tout voilà mais l'alerte était déjà partie je dis euh, parce que je sais plus qu'est-ce que je faisais enfin j'étais occupé j'avais pas forcément mon téléphone à côté de moi c'est rare hein. et euh, et donc euh, il me dit euh, voilà donc donc c -c cette personne-là euh, d'ailleurs c'est Marc je, je fais un petit coucou euh, ça fait deux trois ans maintenant que c'est pas qu'on travaille ensemble mais qu'on qu'on qu se parle beaucoup qu'on qu'on fait des pronos aussi ensemble tout ça il me dépanne pas mal parce qu'il est dans des pays anglo-saxons. Et euh, il, me, il me dit, euh, froum est tombé. Euh, J'ai pris les trois autres derrière. C'est ça qu'il faut faire en fait, c'est-à-dire euh, parce que froum en plus c'est favori, une cote de 2,50. Tu enlèves ouais. euh, les pourcentages pour une cote à 2,50, ils vont redistribuer derrière. Donc forcément, euh, ceux qui écoutent l'émission ont l'impression que que je radote parce que je le dis souvent, mais mais il y a des nouveaux qui ont peut-être écouté, donc je le dis pour les nouveaux. Euh, donc vous enlevez un pourcentage, un gros pourcentage en plus du favori pour la compétition. Vous allez redistribuer aux autres. Pourcentage, donc les pourcentages des autres vont augmenter donc j'ai déjà expliqué que le pourcentage augmente donc la cote euh, va euh, va descendre voilà et, euh, et donc voilà et, et donc je dis putain merde il dit, non mais c'est bon j'ai pris pour toi <laughs> bon pas bah, cool <laughs> donc en fait il a joué pour moi les, les trois autres donc il y avait Guérin-Thomas ouais, et ken bernal Alors, c'est là en fait, euh, vu que c'est pas un spécialiste cycliste et tout, il a pris ce qu'il connaissait. Il a pris Thomas du Moulin et, et, et Porte. Euh, ouais. et Effectivement, ben il y a Bernal aussi. Mais Bernal, il est dans la Alors même équipe que Guerin Thomas. Il était dans la même équipe Mais que. C'est ça parce que euh... voilà. Et euh... il est quand même deuxième favori. C'est quoi déjà le nom de Ineos, le, de... Ineos ouais. ex euh... Sky. Oui, voilà, c'est ça. <laughs> et, euh, et donc Bernal, Bernal, c'est celui qui a remporté le maillot blanc, le meilleur jeune sur, sur le tour. C'est un super grimpeur. Euh, pour moi, voilà, c'est l'avenir. Et euh, mais normalement, il était censé être troisième dans l'équipe. Il était censé être un lieutenant de, de Froome et de Thomas. Ça. Froome n'est plus là. Bernal, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a pas fait le tour d'Italie non plus. Il y a eu tout parce qu'il était, euh... il était, il était, euh, était blessé, je crois. Bah alors c'est ça. C est c est ça alors moi, j'ai regardé un petit peu. Ça m'a intrigué sur un truc. Le, alors il euh, Je sais plus où j'ai vu ça, mais le forfait de Bernal pour le D'Italie en raison d'une chute à l'entraînement a alimenté la rumeur dans le peloton malgré une photo prise sur son lit d'hôpital. Le prodige d'école aurait simulé une blessure pour justifier son absence en Italie et préparer la prise du maillot jaune. J'ai vu ça dans l'IB ce matin. Écoute, euh, ça, je ne sais pas, mais en tout, ouais, cas, euh, euh, en tout cas, dans l'équipe INEOS, euh, l'équipe, voilà, euh, tu as, as des leaders et tu des lieutenants. De toute façon, ce qui se passe, c'est que c'était Froome, Thomas et Bernal derrière n'est plus là, Thomas est là. Si Thomas n'est pas en forme, si il chute, je sais pas. forcément, Bernal devient leader. Donc Bernal, il est à 6 ou 7, je ne sais plus encore. Là. Donc forcément, que celui-là, je vais le prendre aussi. Alors voilà, Bernal, je moi, je l'ai vu à 5. Ouais, mais je parle pour les francophones de l'étranger. Oui, mais voilà. voilà je précise. <laughs> Sur Pardon. Book, Arjène, euh, est ça voilà. Et euh, Alors qu'il était à 15 avant cette, cette info-là. Euh, mais voilà, j'ai eu quand même des, 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 des belles codes pour, pour, pour les autres. Euh, C'est cool, il suffirait que je me cours avec du Bernal. Et je pense que là. Les quatre que j'ai là, euh, les quatre que j'ai pris, je pense que euh, je suis pas mal. Je, je vois pas Fulsang, je vois pas Quintana, je vois pas Yates, euh Pinot Pino Pino n'en Pino parle pas, Cruzvick, euh, pardon, euh, non plus. Euh, voilà. Donc euh, derrière Bardet, Bardet non plus. J'y crois ouais. pas. Enfin bon. Bref, euh, Nibali non plus. Donc euh, en gros pour moi c'est le vainqueur, c'est Thomas Bernal du Moulin ou euh, Porte, même si. Porte... Euh, bah porte là il n'est pas forcément super fort mais bon euh, quand tu vises un truc tu tu ton, ton pic de forme tu tu tu, tu, tu voilà il faut qu'il arrive le, le jour de, du Tour de France. Donc avant tu n'as pas forcément besoin de voler sur les... Donc je lui fais confiance. Sachant que l'année dernière il faisait partie des deux favoris, il est tombé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc tu, 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 tu rapp comment tu répartis tes sommes là sur sur euh, sur ces quatre cinq noms là que tu bah C'est pas moi qui les ai répartis parce qu'on mmh. l'a fait pour moi, euh, mais c'était euh, c'est dégressif, c'est en fonction des, euh, des cotes en fait. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, tu te prends trois bonhommes, tu regardes un petit peu sur un répartiteur de mise un petit peu la cote moyenne que ça peut te faire, et puis euh, tu répartis de cette façon là pour pour gagner euh, pour gagner un peu partout la même chose. Alors si après, il y a des variantes. Si tu estimes que sur les trois bonnes que tu as pris, bah, en as vraiment deux qui ont vraiment plus de potentiel. Donc, euh, tu vas essayer de gagner de l'argent sur mmh. ces deux-là et de rembourser sur le troisième. Voilà. Ouais. Après, c'est des petites variantes comme ça. Euh, faut faut s'ajuster en fonction de, de tes connaissances. Mais, euh, mais non, mais là, ça a été très, très rigolo parce que euh, voilà, bon, je forme, je, forme voilà, je dis, je forme des gens, je, je conseille des gens et ils ont, les, à un moment donné les bons réflexes. Et derrière, ils me font... <laughs> ils jouent aussi pour moi, donc... Euh, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc euh, quand on arrive à ce stade-là, c'est quand même bien. D'un point de vue sportif, un peu compétition, en fait, euh, moi quand j'avais vu le, le Froome euh, absent sur le Tour de France, ouais. je me suis dit, cool, ça va ouvrir la course. Et en ouais. fait, à y réfléchir, mais, mais en fait pas tant que ça, tu sens que ça va être... Euh... Bah, Ineos c'est resté les favoris. Non, mais c'est ça. Voilà Ils ont et... les deux... Les, les deux... Enfin, regarde, les deux coureurs Ineos c'est euh, Thomas et Bernal aujourd'hui. Euh, euh, Thomas doit être de 50, Bernal, bon 5 6, comme tu as dit. Du, ouais. moulin, du Moulin derrière. Pourquoi Du Moulin c'est troisième favori bah parce que il était tombé, euh, il était tombé, il a pas fait le, le dernier le dernier grand tour là et donc il est, euh, il, est il va être frais normalement pour, pour le Tour de France. Euh, il en fait un de ses objectifs. Euh, voilà, c'est eux les, les favoris. Après le Tour de France, il peut se passer plein de choses. Hein. Non, bah les parés, ça, le, le, tu tombes, tu... bon, bref. Euh, c'est un tour de l'est de la France cette année. <laughs> oui, voilà, c'est ça. Avec, des, avec une excursion à un moment donné, parce qu'il faut bien en dernière semaine <laughs> sur les Pyrénées, quoi. Mais il euh, y, y a les Vosges. Oui, et puis attends, l'est de la France, il y aura la planche des Belles Filles. L'est de ça. la France, l'été, ça tape. Hein. Ouais. Temps, enfin, un, si c'est comme ça, c'est comme euh, en ce moment. -là. Temps, <laughs> non, non, il y a le temps, il y a le temps. Mais en tout cas, voilà, le, le point Tour de France, c'est euh, une action-réaction. C'est euh, voilà, c'est une info. Le, le en plus, c'est le favori qui tombe. Forcément, derrière, vous avez des values qui s'ouvrent extraordinaires. faut réagir parce que les book derrière, ça, ça a fermé les uns après les autres, les, les bookmakers. Mais euh, voilà. Euh, moi, j'ai pas pu faire partager les, les, les gens parce que je vous dis, j'étais pas voilà l'info était arrivée j'étais pas j'avais pas mon téléphone parce que j'étais occupé à, à autre tu as chose. le droit de vivre aussi voilà là je là en train de vivre là <laughs> et, euh, et voilà donc euh, et c'est pour ça c'est sympa aussi de faire partie d'un groupe vous êtes aussi plusieurs pour bah, quand il se passe comme ça euh, soit quelqu'un prend pour vous bah, après il faut avoir confiance hein, mais euh, et puis euh, voilà c'est un échange de bons procédés en fait tout simplement Très bien. On, 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 on en parlera. Euh, mais oui, carrément. France. Oh, bah oui. Voilà. Puis on, on parlera pas des, de des des maillots, des maillots à classement distinctif. Bon, oui, oui, parce que j'aime bien le Tour de France. Je fais toujours des des là-dessus. J'aime bien ça. Alors on enchaîne sur la Coupe du Monde féminine. Mmh. On en avait parlé un tout petit peu euh, il y a 15 jours. Oui, désolé pour la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission. Mais euh, voilà, c'était une petite pause. On, bah, on en fait, en euh, voilà, ce qui arrive à Damien aujourd'hui à sa femme. Euh, voilà, c'est très bien parce que c'était euh, semaine dernière, il avait, il avait pas mal de rendez-vous, donc on n'avait pas, on n'a pas fait l'émission. Alors on passe à la Coupe du Monde des filles et euh, bon, on évoque la compétition de manière générale. Mmh. Jusqu'à présent, tu, tu regardes les matchs euh, pour t'avouer, je regarde avec des potes euh, les matchs de la France. Voilà, ça, ça, ça fait un peu... Ça, c est, c est, ça fait un peu revivre un peu les... Les, les, ça, les ça, ça fait revivre des trucs frais quand on la musique d'avant-match. <laughs> ouais, tu ça. retrouves les White Stripes, tu retrouves les petites ambiances la Coupe du Monde 2018. Et, et, euh... et, et ça te rappelle France 90 aussi, parce que ça, c est, c est ça, ça se passe en France. Et surtout, ça permet de boire un coup avec les potes. Voilà, manger ensemble. Et euh, donc c'est sympa. Euh, bon, comme une Coupe du Monde, hein, c'est chiant. C'est les matchs, c'est en, enfin, c'est pas tout le temps le week-end. Donc euh, bon, bref, faut, faut, faut se débrouiller. Mais euh, je trouve ça très euh, très plaisant pour l'instant. Euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle se groupe à partir 10 minutes. Euh... Oh non, tu vas pas aller là-dessus. Euh... Non, ah, pas toi. Si, pas si, toi. Si, si, parce pas que... après tout ce que tu as fait, Benoît. Mais je m'en fous, je, je te le dis. Et, euh, et franchement, alors après, attention, hein, aujourd'hui, on n'est pas arrivé au même stade que. Que les ouais. hommes, euh, l'histoire de Claire Fontaine, on les vire de Claire Fontaine, voilà et tout. Non, donc... mais ça c'était bidon. C'était bidon. Non, non, c'était pré de... prévu. Exactement. Voilà, mais ouais. c'est pour ça. Non, mais il y a des gens qui vont faire un foin et tout, et, et, et après je clôture le débat, pourquoi elles sont pas payées autant que les hommes Mais c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui regarde le football féminin et que ça intéresse beaucoup moins de monde. Basta, ça s'arrête là, donc t'as moins de pub donc t es, t es, t es, forcément les gens sont moins payés. C'est pas parce qu'on euh, n'aime pas les femmes et tout. Mais je trouve ça plaisant à regarder. Franchement, d'habitude, je regarde pas. Je regarde pas le, le foot féminin. Euh, voilà, on peut parier un tout petit peu dessus et tout. Je sais qu'il y en a qui sont un peu experts en, en foot féminin pas moi euh, donc là regardez vraiment en plus des matchs internationaux je suis désolé, mais ça, ça, ça joue au ballon quand même un petit peu. Enfin, voilà, on, on, on discutait avec des potes là. Je sais plus la l'avancante la euh, Diani ou, ou Diaby des équipes de France là. Euh, Tain, euh, un, Val Valérie Gauvin hier. Euh, ouais aussi, je... mais techniquement, des fois, tu vois des trucs. Wow, quand même, ça c'est pas mal. Et, euh, et voilà, donc je trouve ça, fr franchement, je trouve ça plaisant à à, à regarder. Euh, et puis bon, voilà, tu supportes tu l'équipe de France. Et puis j'ai fait quel, quelques paris. Euh, voilà aussi. Euh, tranquillement de, dessus, donc ça, ça apporte un peu de piment. Alors mais bah, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Paris vraiment, long, t'as prévu, Non, non, pas sur, euh, pas sur le, pas sur le vainqueur. Euh, non, 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 mais non, je te dis, je suis pas assez le, ouais. le foot féminin. Par contre, maintenant, pour regarder bah, quelques matchs, ben bah, voilà, tu vois, je, 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 des fois, je prends des des, 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 des petits paris comme il euh, y avait un truc intéressant, c'était hier l'Allemagne de no bet contre l'Espagne. Tu peux avoir une cote à 1 70. Enfin, c'était, je trouvais ça sympa. Mm. Voilà, donc, euh... non, franchement, à tout prochain qui a lieu lundi. Lundi. Nigeria, c'est ça Eh, hey, Rennes ah oui, c'est au trois park, hein. park. Nigeria, France. donc euh... Non, franchement, pour l'instant... Euh... Et puis, ben je vais dire une je mais les USA... enfin Ouais, des alors Fleuve quand même. Oui, alors je, je voulais te poser... Euh, ok, bon, on parle du score Fleuve, on parle de, du, du 13-0... On là, on après sur à Reims. Reims euh, en faveur des, des USA, où il y a eu une petite polémique, euh, du coup, parce que, bon, elles ont massacré euh, les Thaïlandaises. Ouais, mais elles les ont respectées, elles ont joué jusqu'au bout. Hein. Voilà. Non, mais, mais c'est ça le truc. Ouais. Si tu veux faire quoi Respecter son adversaire, c'est jouer à fond jusqu'au bout. Le, voilà, plus début, le plus début des écarts était côté à combien euh, Franchement, je... bah, euh, il devait y avoir, bah, je sais pas, il devait y avoir des paris qui sera la meilleure buteuse, je pense. Mais là, Morgan, ouais. bon, c'est mort, c'est fait. Ouais. Enfin, ah, euh, après, il faut regarder qui joue, euh, qui est dans le groupe. J'ai pas regardé de la Thaïlande, euh, voir si on rencontrent une autre grosse équipe qui peut leur en coller une rose aussi. Mais bon, voilà. Là, franchement, c'est euh... et d'ailleurs, je suis en train de me dire si j'avais étudié un peu plus les choses. je tu aurais pu anticiper que Morgan des USA allait déjà marquer peut-être beaucoup de buts en poule et euh, même si mmh. elle s'était éliminée après, assez rapidement, c'était pas grave. Donc euh, voilà, mais euh, j'ai vu une image où une Thaïlandaise fait une mauvaise touche, on change de main. Quoi. Mmh. Enfin, tu te dis, euh, elles sont là, donc c'est qu'elles méritent. Ouais. Mais euh, as là, il y avait un, un monde. Quoi. Bah, un peu surprenant, enfin, en suivant... moi, ce que je me suis posé comme question, euh, en suivant un peu le foot féminin euh, chez les U20, chez les filles, euh, t'as la Corée du Nord qui avait fait d'excellents résultats, je sais pas si tu te rappelles, sur les, les championnats du monde. Et je suis super surpris de voir en fait la, la Thaïlande qualifiée en fait. Pas, ah oui. euh, je re regarde qu'est-ce qui s'est oh, passé. Je sais pas, pas, comment, pas je sais pas par où ils sont passés, mais euh, c'est ça. Mais ouais. moi j'ai l'impression de... Ce qui se passe chez le foot féminin, c'est ce qui se passait chez les hommes il y a 30-40 ans, où t'as des équipes qui collaient des valises à certaines, ce qui n'est plus le cas. Hein. En dehors, mmh. ils se prennent que 4-0 contre la France, tu vois, ils se prennent pas 10 ou 12. Ouais, enfin il y a 20 ans, euh, ils ont pris un simple 1-0. Non mais je veux dire, euh, j'ai l'impression que chez les foot chez les hommes, je, je vois plus de, 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 de score. vraiment fleuve en fait. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors là, chez les, chez les femmes, tu vois pas Ouais, il faudrait regarder voir. du côté de chez Gibraltar sur les, sur la zone mais euro. Mais même, ils résistent quand même. Enfin, tu vois, j'ai ouais. pas. Il... Ou alors si, tu prends un carton rouge et après c'est, c'est ouais. la porte ouverte. Mais euh, voilà, tout ça, je pense, ça, ça, ça va structurer le foot féminin. Et puis attends, je crois que la billetterie, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est blindé partout. C'est pas ça Ouais. Ouais, Je crois. Ouais, hein. ouais, ça, ouais. Ça, bah, ça, ça remplit le ça parc. C'est euh, populaire. Euh, bon, j'allais dire le stade du Ré, mais on ne dit plus ça à Nice. <laughs> non, D'ailleurs, <laughs> ils n'ont pas le droit de dire les noms avec le naming. Il faut qu'ils disent stade de Lyon, stade de Nice. Ah ouais, ouais. Parce qu'on est sur la FIFA là ouais Ah d'accord, ok. Bah, ouais, ouais. euh, donc voilà, pour les USA, écoute, euh, bah, toujours favorite avec les Françaises. Les Françaises, attention. On aurait peut-être été bien de hier de pas forcément gagner parce que en finissant deuxième tu pouvais éviter les USA en quart. Ouais alors moi j'avais une voilà. question à te poser en termes mmh. euh, voilà j'imagine des gens là qui se mettent un peu sur la, la victoire euh, Paris long terme sur la Coupe du Monde là mmh. euh, as les États-Unis et la France à peu près à des côtes équivalentes. Ouais Est-ce est que ouais. est c'est -ce mmh. est-ce que en, en plaçant euh, sa mise euh, sur ces deux équipes là euh, ce serait quelque chose d'intelligent à faire ou de complètement stupide? Alors, euh, bah avant de placer une mise quand tu fais un pari long terme, c'est déjà regarder ce que les tableaux peuvent donner en fonction de mmh. voilà. Et comme je viens de te dire, on va gagner, on va finir premier. Les USA vont finir premier. Et ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver dans la même partie de tableau et qu'on peut se trouver en quart. Oui. Donc, tu m'aurais dit les USA sont en haut, la France est en bas et qu'on peut faire une finale France USA. Je te disais, ok. Mmh. Tu, prends les, tu peux prendre les deux et, et tu peux au moins avoir une des deux équipes en finale. Et vu que c'était les deux favorites en pari long terme, elles seront sûrement favorites sur le dernier match. Donc tu pourras forcément te couvrir sur le slider qui sera en face. Là, elles vont se retrouver en quart. Ouais. Donc je te dis non, parce qu'il ne te restera plus qu'une équipe. Et après, il reste quand même encore les demi-finales, la finale. Puis tu sais, même que ce soit du foot féminin, c'est comme chez les hommes, il peut se passer tout et n'importe quoi. Euh, donc je te dirais, non, tu, moi je ne mettrai pas mon argent sur, sur les deux, parce que tu ne peux pas avoir une finale USA, USA France. Alors après, maintenant, il faudrait regarder le tableau. Ou alors tu prends USA France en, en haut et il faudrait que tu prennes euh, en bas. Bah après, ouais. je, je vous dis, hein, j'ai pas là le, le tableau. Il faudrait que tu prennes en bas et que tu regardes qui peut y avoir en bas pour peut-être avoir quand même soit la France ou les USA en, en haut du tableau en finale et en bas, euh, je dis dire une grosse connerie, hein, l'Australie les Pays-Bas et, et que tu arrives à avoir une finale avec euh, qui, qui, une confrontation entre une des quatre, deux des quatre équipes que tu as prises. Là, ça peut être intéressant. Euh, mais dans ton cas précis, je te dis non. Ok. Voilà. Euh, tu as parlé de l'Australie rapidement. Tu voulais peut-être euh, réévoquer le cas de l'Australie qui euh, affrontera le, le Brésil Ouais, mais c'est quand ça Ce euh... bah, sera passé, mais ah, oui. en, en fait, j'ai vu, vu une stat. <laughs> bon, après, elle a plus ou moins de valeur, mais elles n'ont jamais perdu quatre matchs d'affilée. Elles sont à 3, là. D'accord. Donc voilà, c'est une stat que, que j'ai lue, que j'ai vue. Euh, après, quand tu regardes, le Brésil a gagné contre je sais plus qui, 3-0, mais. Euh... Bon voilà, parce qu'elles ont une super joueuse, mais les Australiennes, elles étaient... Elles faisaient partie des, des favoris de la compétition, à l'inverse du Brésil, qui bizarrement chez les femmes, le Brésil n'était que la 10 ou 12e équipe euh, favorite. Euh, donc voilà, là j'avais du mal à voir l'Australie perdre contre le Brésil. Et le drone bet était 1,80. Donc ça m'a... Non pas un 80, un 60. Donc ça m'a un petit peu interloqué, interpellé. Donc euh, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Donc voilà, tu fais un mélange de stats, de trucs historiques, de, de ce que tu pu, de ce que as pu voir, des tête-à-tête -tête et tout ça. Et puis, ben, bah, t'en sors quelque chose. Donc voilà, j'ai fait une analyse comme ça. J'ai pas, franchement, j'ai même pas regardé trop les, les joueuses et tout ça. Mais euh, voilà, c'est ce qui me semblait euh, pouvoir être intéressant euh, aujourd'hui. Donc, bah, quand vous écouterez la vidéo, de toute façon, le match il sera, le match sera passé. Puis ça se trouve, le Brésil aurait gagné 4-0. J'en sais rien. <laughs> en tout cas, bon, moi, c'était là. On essaye. C'était <laughs> ma, c'était ma réflexion en fait. Ok, très bien. Bon, On fait, on continuera à parler de la Coupe du Monde la semaine prochaine. Euh, alors, on va faire un petit point. Euh, alors, en transition, avant de parler foot et intersaison, un petit mot quand même des finales NBA qui sont quand même super bah chouettes ouais, à regarder. Ouais. Donc, euh... match 6, euh, oui. donc, euh, bah, quand l'émission sera diffusée, le match sera passé parce que c'est dans, bah, oui. dans la nuit. Et euh... Donc, peut-être euh, nous aurons le droit à un match 7 ou peut-être les Raptors, ouais. à l'heure où nous parlons, seront champions. Mais ça pique, hein, parce que 3 ans du match, les matchs, pooh, je te dis, ça pique. Euh, donc, j'ai euh, pour avoir vu le dernier. Euh, honnêtement, quand, Durand, quand Kevin Durant s'est blessé, je me suis dit, bon, ok, c'est mort. Enfin, c'est mort. Hein. Ils sont euh, Toronto en et Enfin, c'était mort pour State. Et puis, non, lori ouais. et le, le, le panier à la, la dernière seconde. Euh, contré, par, euh, contré par qui déjà Je ne sais plus par qui il est contré. Bon, bref, mais il a été contré en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, on a le droit à un, à un corps. À un... Alors, ce sera peut-être le, le dernier match ou l'avant-dernier. On, on verra bien. Mais Durant n'est pas là. Euh... <laughs> <laughs> franchement, si Golden State est champion là, est, enfin, vraiment, c'est que les mecs ils ont des ils ont des, des, des couronnes, parce que c'est non non mais franchement euh, avec Kevin Durant et tu voyais très bien aussi euh, au début du match avec lui, euh, enfin, je, je, je voyais vraiment au-dessus. Là, il s'est blessé, mais non, c'est compliqué. Il reste encore du, du beau monde, hein, mais pff, ça t'enlève une rotation. Et quelle rotation! Euh, donc, si vous pouvez voir un match NBA, bah, regardez, parce que c'est super serré en plus. Euh, c'est très agréable à, à regarder comme, euh, comme série finale. en fait. Un petit mot de top 14 aussi Ouais, tu on a les... Toulouse-Clermont, bon, le numéro 1, le numéro 2 de la saison. bon Les boommakers sont pas embêtés, c'est quasiment une 50-50. Toulouse est G favori. Euh, C'est pas, pas très compliqué de faire les cotes là. Euh, voilà, ça va être franchement un... de, deux belles équipes, un, un super match. J'ai du mal là comme ça à... c'est trop proche en fait voilà j'ai du mal à il une... y a vraiment des belles individualités de chaque côté j'ai vraiment du mal à avoir une, une équipe fa faveau ce serait bien que Toulouse euh, voilà revienne un peu le Toulouse euh, que j'étais jeune je regardais ça euh, Guinoves et tout enfin voilà j'ai mon petit maillot du stade toulousain la ah, ouais. OK et euh, après clairement reste aussi d'institution et tout mais je crois que para est out donc euh... Voilà, ça leur fait aussi un, un, un joueur majeur en moins. Euh, voilà, très serré. Et au Super Rugby, c'est aussi. Les, on arrive à la fin, là, c'est les derniers matchs pour, pour les playoffs euh, Ce qui est rigolo, c'est que tu as plein de matchs. Les cotes, quand les boucs ont sorti, les cotes ont, ont fondu parce il y a des équipes qui, qui doivent absolument gagner et puis d'autres qui s'en foutent un peu. Euh, et ça a été impressionnant de voir la, la chute de, de certaines cotes. Euh, voilà, donc euh, regardez si vous pouvez Toulouse-Clermont. Franchement, je pense que ce sera. Un, vous ne serez pas déçus, il risque d'avoir du beau bon jeu avec des, des belles individualités de chaque côté, comme Raka par exemple, <laughs> qui m'a envoyé du pâté je pense. Mais euh, voilà, euh, s'il y a un match de rugby à regarder ce week-end, c'est celui-là. Très bien. Alors on va passer à notre petite transition, euh, enfin on va passer à notre dernier thème de la semaine. Euh, on va vous parler d'intersaison. Bah, C'est le moment, ou jamais. Il mmh. faut qu'on parle des paris pour l'année prochaine, comment ça s'anticipe, comment ça se prépare. Et on voulait peut-être évoquer la question avec un exemple, puisque vous avez eu le nez creux, toi et Damien, de, de voir quand reléguer en Ligue 2, même si ça lui piquait à, à ouais. Damien d'envisager ça. Alors raconte-nous un peu comment ça s'anticipe, comment ça se faut, prépare. Euh, après, euh, il voilà, faut être aussi honnête, ça s'est joué la dernière journée. Et vu, vu les matchs qu'il y avait, je pensais pas que Bordeaux allait gagner à Caen. Et voilà. Après, c'est très bien. C'est parti dans, dans le bon sens. Il faut aussi un peu de chance de temps en temps, parce que des fois, tu as, as un petit peu de, de, de malchance, euh, avec des impondérables et tout ça. Mais euh, non, c'est juste que c'était. Voilà, la, la cote était value. Parce que 12-13, il y en hein, a même qui ont touché à 14, je crois. A des gens qui m'ont envoyé des, des messages. Franchement, c'était valu. Donc, euh, ça ne valait pas ça. Pour moi, ça valait euh, au camp des ans. Ça valait à l'époque, ça valait euh, 4, 5, enfin max peut-être trois même grand max euh, voilà donc bon, après c'est particulier un t'as 2 qui descendent plus euh, un qui peut descendre aussi avec le match, euh, le match de, de relégation voilà donc euh, oui j'ai une question vraiment pratique là quand on voit là, ce qui se passe avec la DNCG là qui fait euh, mumuse avec les budgets de Sochaux et euh, Nancy mmh. comment ça se passe en termes de paris c'est déjà, déjà acté non 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 c'est ah, comme en, en Formule 1 où, euh, où, euh, par exemple tu prends euh, tu prends un, un gars gagne gagne la course et puis euh, bah, c'est ce qui s'est passé euh, je suis plus à Monaco euh, où en fait tu mets des pénalités donc les, les mecs franchissent la course 1, 2, 3, 4 et puis il y en a un qui a une pénalité et donc il va être regardé d'une place parce que euh, voilà il a il a pris 5, 10 secondes de pénalité ce qui change le classement les bookmakers ils te payent euh, euh, normalement ils te payent euh, par exemple, s'il si, si, si y a eu un, un appel, là je crois qu'il y a un appel sur le dernier Grand Prix du, du Canada, euh, parce que Vettel n'accepte pas ça. Sa, sa pénalité et euh, mais ça y a des ont déjà payé et tout et même si on lui enlevait les cinq secondes de pénalité c'est-à-dire qu'il gagnerait la course parce que là c'est Hamilton qui l'a gagné euh, avec ses cinq secondes euh, bon les books ils ils, ils peuvent pas euh, aller rechercher l'argent qu'ils ont donné aux gens ouais. tu vois euh, donc c'est le c'est le, le classement euh, final qui fait foi euh, on va dire trois quatre heures après la après la fin du Grand Prix quoi. Parce que là ça va se passer comment S'ils font descendre euh, Socho euh, ah là, et là, Nancy si, en c DNCG, ils vont repêcher Bézier Oui, oui, c'est ça, et Red Star aussi je crois. Oui, ah ouais. non mais oui, ils vont bien sûr, ils vont choper les. Deux mais ceux derniers. qui avaient pris euh, Béziers, Restar, descendent euh, en Ligue 2, euh, ils ont été payés, basta. Enfin, c'est mort ouais. et enterré. Voilà, tu comptes pas. C'est ça qui est vrai qu y a un peu, ouais. Le paris sportif, c'est un peu chiant. Alors quand t'es du bon côté de la barrière, <laughs> quand t'as pris restart Béziers, Descende, c'est bon. Mais si t'avais pris Sochaux et Nancy, maintenant qu'ils descendent administrativement, bon, après, euh, après, c'est après, voilà, c'est c'est ce qu'il y a sur le terrain qui compte. Là, après, c'est au niveau finance. Bon, Béziers, il reste à descendent, ils descendent. Voilà, c'est et le bookmaker a payé. De toute façon, il peut pas. Le bookmaker, ne... voilà. Je crois que ce n'est pas légal qu'il aille rechercher de façon l'argent. Si tu as l'argent sur, euh, sur ton compte de je crois que ce n'est pas légal qu'il aille, qu aille taper ouais. dedans pour... Euh, ouais. N'empêche ouais. que c'est le bordel. <laughs> Merci la DNCG. <laughs> oui, ouais, ouais bah oui. Écoute, c'est ça. Je... Tu sais, les instants, c'est toujours un peu le, le bazar. Mais, euh... mais donc, pour répondre à ta question comment ça se prépare, euh, bah, c'est vrai que ça se prépare maintenant. Faut, 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 Il voilà, faut, faut regarder un petit peu ce qui se passe. Surtout là-bas, les entraîneurs, parce qu'un entraîneur, c'est super important. On l'a vu à Brest. Furlan, c'est quand même un... Un, un, un bon entraîneur pour, pour faire monter les clubs de, de Ligue 2 en, en Ligue 1. Euh, voilà, donc ça, 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 ça bouge pas mal. Euh, Leonardo arrive au PSG. Voilà, donc ça peut. Ça, rendre, ça y est, ça semble. Ça euh, peut mettre de l'ordre dans la Ça s'officialise ou pas C'est officialisé je... Parce qu'ils étaient en train de négocier le départ d'Antonio euh, voilà, Henrique, le directeur ça, sportif. Ça va se faire et ça va faire. Je peux vous le dire, ça va faire du, beaucoup de bien au PSG. D'ailleurs, je. Je voilà, je réfléchis à certaines choses moi de certains paris. Euh, le De Lite, De comment on dit De Bah sa famille apparemment on visite à Paris, donc bon, si tu le prends en lui c'est quand même une bonne pioche. Et ouais. tu, tu tu passes devant Barça, c'est pas mal. Euh, et puis il euh, bah, y a, Ray, y a Rayola qui a à, à Paris. Donc tout ça voilà pour essayer d'anticiper les choses euh, pour prolonger Cavani. Donc mmh. tout ça c'est c'est important voilà moi je regarde euh, voilà surtout ce qui peut se passer en en arrière scène en fait euh, pour essayer de voir s'il y a, y a pas des, des des petites values qui qui peuvent qui peuvent sortir de, de tout ça et voilà pour l'instant je travaille dessus euh, tranquillou hein je me mets pas non plus la, la pression derrière, je regarde un peu ce qui se passe et j'ai déjà quelques quelques pistes et quelque chose qu'il faut qui se confirme pour que je commence à mettre mon argent dessus sur sur certains PLT donc euh, voilà, c'est un moment agréable de l'année. Là, t'as pas ouais. trop de, de pression, machin. Tu regardes un peu ce qui se passe et t'essaies d'analyser. Fais-moi peur, euh, la relégation de Brest, elle est à combien On est favoris. D'accord. <laughs> euh, mais par contre, je pense qu'ils se trompent. Les, ah les, ouais. les books sur bah, je... Honnêtement, je pense que. Voilà, je. Tu, je disais c'est Tu m'as un, à un entraîneur. effet d'Aloglio. Non, c'est pas ça. J'ai, quand j'ai vu d'Aloglio, après, j'ai, j'ai essayé de regarder beaucoup, beaucoup de choses. À Lyon, ils l'ont vraiment regretté quand, quand il est parti parce que c'était un mec qui. À Dijon, tu veux dire. À Dijon, pardon. C'était un mec qui tenait la, la baraque et qui, tout tout, 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 voilà. À Dijon, il voulait le garder, il voulait l'avoir et il fait vraiment du bon boulot. Je pense qu'il ferait du bon Sauf boulot. Soit vrai président de Dijon. Voilà. Je, on est favori pour descendre de à 250. J'irai sûrement pas mettre mon billet. C'est pas parce que je suis Brestois, mais hein. j'irais sûrement pas mettre mon billet euh, là-dessus. Tu, tu m'aurais donné un, un autre entraîneur. Tu, tu m'aurais donné Pelissier à Brest, pareil. Je, avec un entraîneur comme ça, je ne voudrais mmh. pas descendre. Avec euh, un Paul Le Gouen. Sois, euh, Alors, euh, tu vois, il est breton et tout. Et, et ouais. J'adore. par contre, j'ai vu Amiens euh, qui, euh, qui j'ai vu l'info, un, un ticket Duprat plus euh, Oswald Tanchot, l'ancien entraîneur de, euh, du Havre. Mais ça, tu le sens comment, ça, le Amiens, par exemple Mais c'est pour ça. Pour l'instant, je te dis, j'ai suis... noté des trucs sur des feuilles, sur, sur des tableaux. Euh, j'attends de voir un peu tout, tout, tout ce qui peut se passer et tout. Euh, j'ai déjà mes premières impressions, moi, de qui je peux voir descendre, qui je peux voir podium et tout ça. Euh, mais pour l'instant, voilà, j'attends quelques, quelques confirmations. Après, je te dis, ce qui me fait chier, c'est que cette année, les cotes sont pas sexy. Mm. J'ai pas vu, euh, par exemple, un, un club à une cote comme Caen euh, descendre que je me dis, putain, ouais, j'y vais. Les bougs, là, ils nous ont bien raboté, la, bien raboté certaines. Je te il y a 6, 7, 8 équipes qui, 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 qui mettent pour descendre avec des cotes pas forcément super sexy. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, si, si je ne me positionne pas sur ce, sur ce type de pari-là, j'irai sur d'autres. Hein, T'inquiète pas, il y aura quand même du choix. Mais euh, voilà, je, je dis l'après, je regarde un peu des, les articles. Et euh, voilà, je te dis, plutôt chasseur de cotes, chasseur d'infos et, et voir un peu ce qu'on qu peut faire de, de tout ça. Avant de terminer cette émission, un petit mot sur la cannes. Il y a des trucs rigolos ouais, sur la canne. et puis un petit mot sur euh, celui qui a gagné le... Ah oui, la petite info ouais. croustillante Ça, ça fait... info croustillante, tu Non non, mais ça ça m'a fait rire ce que tu m'as dit, on posera la question aux, aux auditeurs. Ouais, bon, c'est une, ce une info qui a pas mal circulé. Quel est le, et quel est le alors, alors on, le on s... la donne maintenant et on aura la réponse à Quel est le sportif le qui a engrangé le plus de gains de tous les temps, de tous les temps. Voilà, alors, ouais. on, on fait un autre sujet et on y revient d'ici 2 3 minutes. C'est ça. Réfléchissez. Non, c'est <laughs> rigolo. Mais bon, voilà. Ouais, on parle de la canne Allez. Euh, bon, on disait qu'il Mais vite tr... fait, parce qu'on reviendra dessus et je suis en train d'étudier là. Donc, ouais, euh... alors bah, t'en es où avec la canne, toi, justement ben... Coupe d'Afrique des Nations. Quand j'ai regardé un petit peu. Alors déjà, il faut expliquer qu'elle est allée en Égypte et puis au Cameroun. D'accord Ouais. Ce qui peut expliquer que l'Égypte est favorite des bookmakers pour la gagner. C'est ça. Avec, avec ou sans Salah Parce que j'ai Avec. Vu des... Avec Salah une photo il a pêché un gros poisson. C'est ça, mais, mais non, mais je il est en vacances là, mais comment ça, comment ça se prépare, la, pré et justement, la préparation à, de ça là Et justement, attention, euh, attention à ça, hein, parce qu'il y a des, 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 des joueurs, des grands joueurs de certaines équipes qui peuvent arriver en méforme, parce qu'ils ont coupé, ils ont bien donné dans l'année, et puis là, t'as encore ouais. la canne à jouer. Bon, faut, faut voir, mais euh, j'ai deux, trois pistes là, que je trouve des cotes un peu ahurissantes. Euh. Voilà, je vous les donne pas maintenant, parce que j'ai encore besoin de travailler dessus. Mais, euh, il ouais, y a des trucs qui m'ont vachement surpris. Euh, L'Égypte favorite, oui, ok, euh, parce qu'elle a ouais. gagné souvent, c'est chez elle, il n'y a pas de souci. Mais alors, y a une autre chose. Ça m'a un petit peu euh, interloqué. Donc, euh, voilà. Ouais. Je... Bon, on peut juste euh, évoquer peut-être euh, ce qui se passe du côté de l'équipe d'Algérie. Ah, bah oui, parce que ça concerne. Un, un Brestois, Belkebla, Brest Brest. qui a été euh, viré, 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 non. on peut le dire comme ça, on viré a plus de la sélection. On n'a plus rien à faire. Le... Bon, vas-y, je te laisserai continuer. Non, mais parce qu'il faisait un un, un, un. un Fortnite voilà, Un c'était le gardien de Mesc, j'ai oublié son, son nom, euh, qui faisait euh, du, du streaming euh, en live. Quoi, ah oui, lui, il était, était derrière. Et lui, il faisait le con pour le déconcentrer. En fait, il a montré son derche. Ouais. Et du coup, euh, bon. C'est fou. Pas... Enfin, c'est un truc complètement ridicule Et l'info a pris des, des, des proportions ah, et hallucinantes. Là, et la fée algérienne l'a carrément ah ouais, exclue de, de la sélection. Contre, la, contre les, les joueurs étaient plutôt, fou. Euh, étaient plutôt pour qu'ils qu restent dans le groupe. Quoi. Ça pourrait être péter. Euh... Non, mais c'est dingue. Franchement, en plus là, c'est pas voulu. Enfin, ça aurait jamais dû ouais, arriver pauvre, sur euh... Pauvre Belklebala qui, qui a fait une super une saison, saison à Brest. C'est euh... un peu une récompense. Enfin, c'est un super joueur. Euh... Bon après pour bah nous comme il va se reposer, hein. c'est ça. Nous, on, est, on sera content. Nous, ça va mais pour lui c'est dégueulasse quoi. Donc faites attention quand vous avez des potes, euh, hein, quand vous faites du jeu en réseau là, ça. <laughs> parce que ça peut pas pour ruiner une carrière mais pour ruiner une vie. Hein. Bon bref. Bah, c'est sûr que ça va être compliqué euh, la sélection nationale pour belkéba après ça quoi. Bah ouais, alors que... C'est fou. Putain, quel bref, gâchis, quoi. On a On un monde comme ça. Bah tu nous donnes la réponse là Alors attends, attends, moi je m'étais fait de la réflexion, ouais ça doit être un golfeur, ça doit être... Euh, c'est ça, c'est Tiger Woods. Euh, non. non, non, je m'étais dit, euh, alors, qu qui paye le plus dans les sports alors, américains Dans, dans le top 5 déjà, ce qui est rigolo dans le top 5 c'est que tu as trois golfeurs. T'as Tiger Woods, euh, Jack Nicklaus. Moi j'aurais donné, euh... donné Jordan, ça c'était sûr. Ouais, alors Jordan est deuxième. Ouais. Mais il n'est pas premier! Il y a un mec qui a gagné plus que Jordan! C'est ça, il faut aller chercher du côté de l'Empire romain, c'est quand même énorme! Quoi. <laughs> Et de la course de char! <laughs> ouais, c'est ça. Et le mec, il a gagné un sacré paquet de sesterces, le gars. Attends, c'était quoi? C'était Dioclès, le gars. Il a gagné combien? Et attends, il a gagné euh, 15 000 millions. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est véridique. Hein. Vous pouvez aller Ou voir. 15 000 milliards J'en sais rien. Putain, mais Vous, vous merde, pouvez aller voir que parce qu'ils ont converti en, en argent maintenant. Et en fait, ouais. ce gars-là, <laughs> le conducteur de char, il met la patate à tout le monde au niveau des gains. mais ça devait ça, être, Il a euh, eu 24 ans de carrière. Mais à l'époque, le mec, il. Alors, 15 billions. 15 billions. Je ne sais pas si vous. Faites Et Jordan, la conversion. il est deuxième avec combien euh, 1,8 billion. Mais c'est un truc de fou, c'est ça. Ah oh non, mais j'en sais rien. Il, faut, il faut, faut regarder le truc sur Wikipédia. Ouais, c'est un truc de terrible. Mais, je suis nul en conversion. Mais, mais, mais quand tu m'avais dit ça, j'ai rigolé. Je me suis causé de bordel. Et ouais, voilà. Bon, bref. Mais c'est vrai que... la... Il a une fiche Wikipédia euh, Dioclès, Dioclès, avec, ça, Dioclès. avec tous ses gains. Dioclès, voilà. voilà. <laughs> bon, c'était le petit C'était l'anecdote rigolote pour cette fin d'émission. C'était la, la petite, euh, voilà, la petite aparté euh, sympa. Culture, Donc, euh... Par... Euh, qui... Culture et histoire. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et pour revenir au foot femme, euh, vite fait, parce que là, on n'a pas vraiment donné de, de pronom. Enfin, en même temps, ça, voilà, on arrive aussi à une période où il y a moins de choses. Beaucoup de tennis, mais le tennis bof. Euh, je ne comprends pas, enfin, je vois pas la Jamaïque chez les femmes se prendre une rouste. Chez les Italiennes, pourtant, les Italiennes sont vraiment... Grande, grande euh, favori de, de ce match-là. C'est un match qui va aller vendredi à 18h. Euh, L'Italie est favorite à un 10. Je ne pas trop. Il y a un Japon-Écosse. Euh, J'ai un peu étudié et tout. L'Écosse, en fait, c'est pas mal. Et ils ont une cote de 5. Donc euh, pareil, un handicap. Je ne vois pas se prendre une... Une branlée contre les, 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 les Japonais. Donc là, jamais je crois qu'il y a du truc... Euh, j'ai un pays qui perd, euh, mais euh, par 3 buts ou moins, ou je ne sais pas quoi, c'est du 1-25, et vous pouvez couper ça de l'Écosse, euh, perd de 1, euh, 1 ou moins. Euh, bon bref, voilà j'avais vu ça, euh, j'avais commencé à regarder ça, et ça me, voilà, ça, 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 ça m'inspirait, ce, ce truc-là. Donc, euh, donc, why not Le rugby, je vous ai dit, j'y touchais pas, le super rugby, ça ne sert à rien, tout, tout, tout s'est cassé la gueule. Et ah oui, on peut parler vite fait, vite fait du Kosovo quand même. Ah oui, ton équipe. Que je fétiche. vous avais donné il euh, y a un petit moment, ils ont été faire 1-1, ont monté des grosses sur un autre, mais ils ont été gagnants en, en, en Bulgarie quand même, oh nos bah petits Kosovars. C'est pas, c est, c est pas la Bulgarie de Risto Stoïkov non plus. Hein. Non mais attends, mais euh, Non mais je suis d'accord oh. avec toi. Mais franchement, c'est... Euh, et ils m'ont voilà, fait plaisir sur, euh, sur, sur, sur ce coup-là. Tu sais, il y en a deux qui sont qualifiés. Pour l'instant, ils sont troisièmes derrière l'Angleterre et la République tchèque, à un point de la République tchèque. Et le prochain match, c'est un Kosovo-République tchèque. J'ai vraiment euh, hâte de voir un petit peu ce qui peut se, ce qui peut se tramer et, et, et les cotes. Bon, c'est pas tout de euh, suite. Euh, hein. tu, tu y vas quasiment sur la qualif du Kosovo à l'Euro 2020 Franchement, je les, voyais, je les voyais pas gagner en Bulgarie. Enfin, je les voyais faire un résultat contre le Monténégro, mais pas gagner en Bulgarie. Et, euh, bah écoute, ils ont fait 1-1 chez eux, justement contre la Bulgarie. Ils ont gagné en Bulgarie. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient déjà rencontré deux fois la Bulgarie. Et ils ont été faire un match nul au Monténégro. Donc, il leur reste bien sûr les gros, la République tchèque et Angleterre. Bon, Angleterre, on revient pas dessus, mais sur un malentendu contre la Tchèque. S'ils battent les Tchèques au prochain match, c'est le 7 septembre, hein, il y a le temps de voir. Euh, bah, écoute. Ils ont passé mmh. deuxième et puis après, peut-être une finale, euh, je sais pas moi, République du Kosovo. Enfin, tu sais, on ne sait jamais. Mais ça joue au ballon, voilà. Le Kosovo joue au ballon et, euh, et je suis content que euh, voilà, ils s'ouvrent un petit peu, euh, ils s'ouvrent un petit peu au bah, vu de, de tout le monde. Parce que ouais, il fa fallait me dire avant euh, si vous saviez citer deux joueurs du Kosovo. Euh, je pense que personne, euh... personne n'aurait pu le, n'aurait le, le dire. Un voilà. joueur originaire du Kosovo, j'aurais pu te citer Januzat le joueur euh, qui, est pas, qui joue en, en équipe de Belgique. Ouais, mais il voilà, y, y en a qui jouent comme. Enfin, Rachika, il joue à Brême par exemple. Euh, voilà, mais euh, voilà, ils ne sont pas non plus super, super connus. Et, mais quand tu regardes un petit peu où ils jouent, ben, certains jouent dans des clubs comme sympas. Ben, je t'ai dit ball Bâle, des choses comme ça. En Turquie aussi, pour certains. Bon, voilà, donc ça joue un peu au ballon. Et, euh, et quand j'ai vu qu'ils ont gagné trois, pas je, Là, honnêtement, je ne les voyais pas gagner en Bulgarie. Euh, et je, voilà, j'étais très content pour. Euh, Très content pour eux. Ouais, et le truc dont on parle peu, c'est que. Enfin, dont on parle pas, on, on se félicite de la victoire de l'Islande contre la Turquie, mais en fait, moi, je trouve que ça fout la merde plus qu'autre chose dans le groupe de la France. Ça veut dire qu'on a trois équipes à égalité de points qui sont en position de se qualifier. Alors que si on se retrouvait avec la Turquie loin devant, allez hop, c'est parti, youpi, Et ben, on se retrouvait avec un binôme Turquie-France en deuxième position. Ouais, mais ça mais... apporte un truc intéressant. Oui, méchant pour l'équipe la... pour de France. Parce que toi, tu penses qu'on finit troisième bah je sais pas, tu voyage oui. à Reykjavik. Euh, ah, sur euh... un malentendu. Ouais, après, normalement, euh, quand on a... après, faut voir... Hein, c'est quoi notre prochain match Parce que le, pro... le problème, c'est que nos joueurs, euh, le prochain match début septembre, moi, je pense que physiquement, ils vont pas être au top. Ça, c'est les matchs mmh. à la con. Il aurait fallu... Euh, euh, on joue l'Albanie. Bon, en France. Ouais, ça va. Voilà, Turquie, joue l'Andorre, et je joue la Moldavie. On peut dire que tout le monde va gagner, mais euh, voilà, ça serait pu être un match piège. Mmh. Euh, J'ai des souvenirs comme ça de, de matchs pourris euh, début septembre parce qu'on physiquement on n'était pas au top. Euh... Comme il y a des matchs pourris début juin aussi. Hein. Tu te oui. rappelles de la tournée dégueulasse au Brésil Oui, oui, non, mais ça, mais puis le match euh, bah, en Turquie, ouais, Mbappé, on n'a pas cadré un tir. Vas-y, explique-moi le, le bazar. Euh, donc voilà. Bon après tu vas me dire, il y a d'autres équipes qui ont assuré, hein, qui ont gagné, mais. Euh... Et, et, et euh, bon, ils ont un match d'avance, mais dans le groupe C, euh, l'Irlande du Nord est devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Je dis ça, je dis rien avec trois points d'avance. Non, mais sachant que l'Irlande du Nord, ils ont déjà fait des, ils ont déjà participé à une grande compétition il y a pas longtemps. Ben, L'Euro 2016. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ben ça voilà, que, que la France avait rencontré euh, en huitième, si je ne me trompe pas. Et ah non, oui. non c'était l'Irlande, c'était C'est pas les mêmes, oui. Ils ne font pas. Ouh là. Non, 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 problème, la problème politique. <laughs> euh, voilà, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais moi, euh, ouais, il y a des. Voilà, je te dis, ça met un peu de piment euh, France Turquie, genre. De... Voilà, vois, on le savait, oh, hein, ça va jouer en tout cas. Vous savez, de toute façon, euh, bon. vu, vu le nombre d'équipes qui seront qualifiées et puis. Euh... Et puis leur histoire de repêchage là. Parce qu'après il y a aussi il faut regarder les troisièmes c'est pas ça Ouais mais c'est là que revient la Ligue des Nations ou je sais pas quoi les classements. Ah oui parce aussi. que les ah oui un petit mot les Portugais félicitations, ils ont gagné la Ligue des Nations. Et ouais. Et Ronaldo encore il a marqué Et un. Et bravo Guedes. Oui. Encore un ancien <laughs> du PSG qui gagne un truc. <laughs> ouais, un ancien oui ça euh, non c'est fou. Non, non mais euh, Ronaldo c'est voilà. Hein. Et ouais. Fou quand même. quoi. Euh, il avait vraiment ouais. tout gagné ce gars là gagnent même les trucs qu'on s'en fout. C'est ça, c'est ça. Il ne manque plus qu'une Coupe des Confédérations, ce qui, me pour... ce qui pourrait arriver un jour. Peut-être. Bah oui, puisqu'ils ont gagné le. Attends, c'est passé la Coupe des Confédérations euh... Je pourrais pas t'aider. Hmm. Est-ce que c'est encore possible pour le Portugal On va terminer là-dessus, parce qu'il est en de l'antenne, je crois. <laughs> si vous avez la réponse, allez-y. <laughs> N'hésitez pas, partagez, commentez, il euh, n'y a, a pas de soucis. Allez, on en reste là pour cette semaine. Partagez, mettez un petit pouce bleu, comme d'hab. Et puis on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bah écoute, pas de souci. Et puis euh, voilà, je vais sûrement faire bientôt une, 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 une autre webconf. Donc euh, voilà, vous aurez un petit onglet là qui va, qui va s'ouvrir. C'est gratuit si vous voulez venir voir un petit peu ce qui se passe et, et un petit peu mon, mon histoire. Très bien. Allez, bon week-end de Paris. À Allez, tous. au revoir à tous. Bye bye. <music> Paris gagnante, émission de sport et du Paris sportif.